Hello, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu es en forme et que la santé est sur toi. Aujourd'hui, gameplay sur Sucrène, la reine des Pokémon. On peut la surnommer ainsi puisqu'elle est vraiment badass. Alors, on va jouer avec cet item bandeau muscle, fulné assurance et derrière protect score, question de pouvoir scorer en l'occurrence. Hein, vous avez compris. Et le set qu'on va jouer, ce sera triple axel, dont on a décrit dernièrement à la dernière vidéo ce que cela apportait comme bonus. Et botte secrète qui nous donnera un bouclier, vous avez compris. En plus de tous les avantages que c'est de pouvoir jouer ce set là. Donc vous savez, un protect score c'est pour pouvoir marquer. Vu une assurance, plus on perd de la vie, plus on fait de dégâts. Et puis bandeau muscle, on le présente plus, ça augmente l'attaque, la vitesse d'attaque. Bref, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc du coup je ne suis pas tout seul, je suis avec Syrod. On est en train de justement faire un duo là-dessus. Et après, comme vous le savez, tous les jours, à partir du soir, de 19h généralement, je suis en live, tu peux me rejoindre et jouer ensemble. C'est sûr qu'on pourra le faire, donc libre à toi de nous rejoindre. C'est parti donc pour ici. C'est parti. Cette game. Alors je te mets au défi, hein, si on arrive à faire un gameplay intéressant et une victoire à la clé, tu t'abonnes sur YouTube du coup. Allez, c'est parti, hein, pour essayer de gérer cette game. Le farm est important, hein, vous l'avez remarqué. J'avais fait une dernière vidéo, un petit coup de gueule sur ce que je voulais. C'est-à-dire de la nouveauté. Hein. Ici, on le voit, on a de la nouveauté. Notamment avec... hop là, il a de la portée, hein, le petit gremousse. Du coup, on meurt là-dessus. On a de la nouveauté puisque c'est un terrain de glace Articodin. Donc, c'est le thème de l'hiver. Thème de Noël, hein, tout simplement. Et donc, vous allez avoir la petite surprise de découvrir, comme vous l'avez déjà découvert, je pense, les Béca glaçons que l'on retrouve en lieu et en place de Namewi. Et bien sûr, derrière, on a... Attendez. Ok. Ah non, ils l'ont pris. C'est dommage. On a donc, voilà, les Béca glaçons qui remplacent, comme je le disais, Namewi. Et là, on évolue à niveau 4. Et puis, le reste... Vous allez voir, hein, dans la jungle, on a quelques petites nouveautés également. Enfin bref, on va essayer de se comp... Voilà, on a la présence ici de Polagriffe et Polarum. En lieu et en place, à la place, pardon, des abeilles. Hop, on est censé pouvoir, voilà, le finir. On a le triple axel. Oh, ok, il s'est bien barré. J'ai utilisé ma compétence un peu dans le vent. Nous allons pouvoir peut-être scorer ici les 15 points. Peut-être, ou certainement, du moins, devrais-je dire. Ok, on va pouvoir sécuriser donc le farm du milieu. Attention, hein, gros doudou avec ses capacités de nous endormir. Ok, on a pris le farm. Ouh, c'est leur jungler là, hein, qui arrive ici. On est bon. On va pouvoir temporiser un petit peu. Attention, hein, ça arrive, hein, gros doudou qui endort notre mate. Ah, il faut absolument qu'on farm. Hein. Il est niveau 6, hein, il a bien farmé. À mon avis, c'est les kills qu'il a enchaîné. Du coup, on a la botte sucrète. On pourra avoir ce shield avec notre coup de pied. Sauter, vous allez voir, c'est vraiment très classe. Alors, est-ce que, tout comme moi, vous avez l'impression qu'une sucrène va être nerfée pour la prochaine mise à jour? Dites-le moi, en tout cas, en commentaire. Oh! Ouh là là! Ok, on va. Est-ce qu'on va y arriver? Oui! Botte sucrète! Oh, let's go! C'est fait tuer par les. par les ours! Ça fait plaisir! Par Polagriffe! Ah! Ok. Est-ce que j'aurai le temps? Non, j'aurai pas le temps. Si, j'aurai le temps. J'aurai le temps large. Voilà, bim! On va pouvoir, hop là, se casser. Normalement. Voilà, sans aucun problème. Et là, on va pouvoir prendre... Oh non, on n'a pas le buff. Attention, il y a le Sucrène. Il y a Ronflex qui est là pour nous protéger. Ça fait plaisir. On a pu temporiser pour survivre. Donc, voilà, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord de penser que Sucrène va être certainement nerf. C'est vrai que c'est vachement fort, hein. Comme on peut le voir ici. Attention, on essaye de gérer l'objectif ici. On a les adversaires qui sont dans les parages. Oh là là, on se fait tellement avoir. Ouh, attention, on risque de mourir là-dessus.
ou la dernière attaque, la létale, qui met à terre notre Ronflex. On va essayer d'avoir l'ultime. Hein. Pour l'instant, on va attendre nos coéquipiers. Le but ici, c'est de ne pas faire l'objectif. Ouh, ils ont pris l'objectif du haut. Pour le coup. Ok. Oh ! Oh non ! Oh non ! Ok, c'est bon. On est bien. Ok, on va pouvoir finir ici l'objectif. Tire but. Ouais. Ok, on a repoussé la menace qui tentait le vol. Et l'objectif est géré. Hein. Ça, c'est bien joué, les gars. Enfin, un Ronflex qui comprend ce qu'il faut faire. Ça fait plaisir. Hein. C'est-à-dire protéger ceux qui font l'objectif. Oh, il y a Nymphalie. Qui s'est perdu dans les parages. On a vite fait de corriger ce mauvais placement de Nymphalie. Alors on essaye de rentrer dans les bushs. Alors, nous sommes dans les bushs en tout cas pour pouvoir scorer derrière. 35 points, ça se tente. Et ici le bump magnifique et l'ultime qui certainement nous permettra de pouvoir assurer le scoring. Les 17 points. Attention hein. On temporise un petit peu l'évolution. Ok. Oh, l'ectoplasme. Ouh, les 40 points en bas. Puisqu'on a abandonné la ligne. C'est bien joué de leur part. Oh, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle tape fort. Qu'est-ce qu'elle tape solide. Ironflex, il va tenter. Let's go. On détruit. Oh, c'est bien joué. Que c'est bien joué. On a été un peu grid là-dessus. Ouais. Attention, ça va être compliqué hein, de pouvoir ici s'en sortir. Ouh, le bon gros dodo. Et il faut s'enfuir. Oh, c'est beau, le slip derrière pour pouvoir s'échapper. Zyros qui joue merveilleusement bien et qui troll les adversaires sur cette phase. Oh, c'est tellement beau. Attention, l'objectif du haut. Premier perso que j'ai joué, je ne l'ai jamais arrêté. Donc bon. Oh là là, ça se sent. Attention, l'objectif du haut qui est en train d'être géré. Les adversaires qui protègent merveilleusement bien leur objectif et ils vont l'avoir. Sauf si on s'en mêle. Ok, le vol merveilleux. Ah, merde. Oh là là, c'est magnifique. Hein. On arrive à prendre l'objectif du motisme. Hein. On l'a contesté merveilleusement bien. Et cela va nous permettre. Ok. C'est parti pour l'ultime. Je descends avec eux. Ok, là on va essayer de. Ok. Fais gaffe toi au top. Ouais, ils sont tous sur moi. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, est-ce que vous pouvez marquer ? C'est bon. Est-ce que vous pouvez marquer ? Oui, non ? Ok. Là pour l'instant, vous gérez le Torgamor. Ben on essaye. On a Sukraine qui est dessus donc bon. Ouais, ils arrivent hein. Faudra gérer tout ça rapidement. Sukraine s'en débarrasser peut-être. Si on pouvait. La partie est serrée. J'arrive. Est-ce que ce sera trop tard ? Archiduc ? Archiduc, il a eu. Oh, c'est beau, que non. C'est beau. Si, putain, si. Bien joué. Ok, c'est parti. Il y a l'amphilobie hein, dans les parages. Oh là, l'ultime qui est lancé. On va pouvoir prendre et se concentrer. Ouh, les 50 points. Oh, les 50 points qu'on prend. Oh non, c'est trop tard. Ils vont la mettre. Oh putain. Aïe, les 50 points qui font mal au dos. L'amphilobie dans les parages. J'arrive au top, hein. Pouvoir prêter main forte décidément à Ronflex et à Orkeduc. Oh là là, que ça défend pas. Oh, que ça défend pas. Attention, hein. Oh, c'est bien joué. Ok, on termine ici. Ok, on a les points. Let's go. On arrive à scorer. Oh là là, je me suis trompé. Le Sukraine, il a pas beaucoup de vie, mais il en a. Donc après, étant donné qu'il peut se régénérer, c'est compliqué. Ok, on va se barrer. Oh non, il y a l'ectoplasme. Ah là là. Je me retrouve toujours face à plusieurs adversaires. C'est compliqué. Attendez, est-ce qu'il y a l'objectif du mid? Ok, il y a l'objectif. Il faut le finir. Oh non, non. Oh yes. Oh, j'ai flippé. Je pensais qu'on allait encore se faire articoder la tronche. Attention, faut rester en vie. Non, faudra def. Je viens pas scorer. Ok, il y a les 100 points, faut défendre, la top là tout de suite. Excellent, là, bonne défense. On va pouvoir ici réagir.
pour contrer naturellement l'Amphinobi, qui utilise son ultime du coup. Rester en vie. Attention, hein, on tente ici. Voilà, il y a un mort là-dessus. On va aller scorer, hein, le quelques... Non, pas les 11 points, ça ne sert à rien. Non. Ouh, la top. Ouh, la top. La top, c'est compliqué. En plus, Zera est sorti de sa zone. Ok, le bump. Et le chaos. Merveilleux. Ok, on va pouvoir aller défendre la botte. Hein. Non, salut, qui choque ça. On pourrait y aller, si vous le voulez. Ok, c'est parti. Archiduc, hein, qui va aller mettre ses 50 points. Question de maintenir la pression, hein, face aux adversaires qui sont déjà mal en point. Oh, on voit que ça donne des savates. Hein. Franchement, Sucrène, c'est vraiment fort. On le voit. Hein. Regardez, il y a le Tauros. Et oui, c'est la petite surprise. Et au milieu, on n'avait plus l'Elector, mais plutôt Articodin, comme vous avez pu le remarquer. Ils m'ont écouté, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo de nouveautés, hein, celle que je demandais sur le jeu pour me remettre dedans, eh bien, j'ai l'impression que Timmy, l'équipe, hein, a totalement, on va dire, comblé mes attentes. Ce qui me revient, à dire que je suis de nouveau dedans. Et donc voilà, salut Kishox, ça va super en tout cas, content de pouvoir te retrouver. Et donc ici, j'espère que cette vidéo gameplay t'a plu. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Je pense qu'on a fait quand même une game assez intéressante. Si tu es d'accord avec ça, laisse-moi le savoir, hein, avec un like, un abonnement, tout ça. Ah, c'était le défi, ne l'oublie pas. N'oublie pas que ça t'a plu. C'est un travail d'équipe, à très bientôt. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée, bonne nuit, la santé sur toi. Ciao, ciao. Et bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Ciao.